Salut, je viens te... Cinq signes que tu en éveil spirituel. Numéro 1, tu passes du temps en ligne pour regarder des vidéos qui parlent d'éveil, qui parlent de ouvrir son troisième œil, qui parlent de chakra. Les choses qui avaient cela 2, 3 ans, 4 ans. Peut-être dans le passé tu es sorti, même avec un gars qui était spirituel, mais ça ne te disait rien. Ok? Peut-être à l'époque tu es sorti avec un gars qui parlait de parler, on va au village, où là c'est la boule, faire les essais, ça ne t'intéressait pas. Mais là, depuis quelque temps, tu veux savoir. Et TikTok. Dans ce sens-là, ça ramène au deuxième point. Un autre signe que tu en éveil spirituel, ton feed de TikTok. TikTok est spirituel. Okay? Ton feed de TikTok et YouTube t'amène des vidéos spirituelles pour le temps. Parce que plus tu passes de temps sur les vidéos spirituelles, plus c'est les vidéos spirituelles qu'on va t'amener. Un autre signe d'éveil spirituel, tu es tout le temps en train de parler en termes de oh, je n'ai pas aimé l'énergie de la famille. Oh, Donc, tu prends tes décisions quotidiennes en fonction de comment tu te sens. Vous attendez seulement qu'elle fasse dire. Bonsoir, oh. Je n'entends pas vos voix, pourquoi? Vous écrivez seulement. Pourquoi vos voix ne résonnent pas? Je vais vous parler de reprogrammation. Je n'échoue jamais, jamais. Non, non, mais suis-moi.
Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'on peut commencer? Can we start, please? Oh, yes. On va lancer. Recevez de la paix dans tout ce que vous avez à faire. Ouvre-toi, tu dors. Oh. Recevez l'ouverture de votre esprit. Recevez la paix. Recevez l'accélération. Que tout ce que vous allez faire commence à marcher. Je demande la sagesse divine pour pouvoir parler aujourd'hui comme un oracle du Seigneur. Et quand je vais parler, que les mots exacts me soient donnés pour vous guider. Ceux qui m'ont inspiré pour que je vienne faire cette vidéo, je compte sur eux pour dire ce que je dois vous dire. Donc aujourd'hui, je suis un peu relaxée. Je n'ai pas stressé pour venir faire le direct. Donc je pense que ça m'a fait du bien. Donc dans la journée, j'ai eu... C'est comme si j'étais accro à faire les directs. Ceux qui me suivent et qui ont des pages où ils font souvent les directs, vous savez, je crois que c'est un truc, ça devient addictif. Faire le direct devient addictif. Parce que quand tu as une inspiration, tu dis, ah, ni toucher, je dois partager ça avec les gens. Donc, par contre, aujourd'hui, je me suis exposée à certaines personnes auxquelles je n'étais pas exposée avant. Donc, ce qui fait que la sauge. Ce qui fait que j'ai eu l'opportunité de tester un peu les énergies que je ne voulais pas. Et je me suis rendu compte que quand tu commences à devenir spirituel, ce qui fait qu'une personne spirituelle commence à attirer. C'est le fait qu'elle développe la capacité de ne plus faire ce qu'elle ne veut pas. Je suis en Côte d'Ivoire. J'annonce depuis une semaine que je suis en Côte d'Ivoire, non? Donc, cette personne développe la capacité de ne pas faire ce qu'elle n'aime pas. Quand tu deviens vraiment spirituel, sans le vouloir ou sans savoir même comment, ton argent ne peut qu'augmenter. Et à un moment, tu commences à vibrer comme les gens riches. C'est pour ça que beaucoup de gens riches ne vont pas crier sur les toits qui sont spirituels. Je vous le dis. Mais les personnes riches sont très spirituelles. Tu vas voir quelqu'un, s'il ne veut pas faire quelque chose, il ne fait pas. S'il se lève, il veut faire quelque chose, il ne fait pas. Yeya Sissé, je vais te bloquer. Beaucoup d'entre vous, quand vous faites, je vous bloque, après vous venez vous dire que oh, débloque-moi en inbox. Je ne vois les gens en Côte d'Ivoire que sur rendez-vous. Donc, si vous voulez me voir au Gabon, commencez à réserver vos rendez-vous pour le Gabon dès demain. Au Gabon, je ferai les lavages et les consultations. Je serai au Gabon juste pour 3 jours. Douala, réservez vos rendez-vous. Donc, je vais passer à Yaoundé. Avant le 30, je serai à Yaoundé. Pour l'instant, mes guides ne me permettent que de rester en Afrique. Donc, vous prenez le numéro. Pour la Côte d'Ivoire, c'est le 07 79 05. Non, ce n'est pas 05 là-bas. 07 79 02 52 05. Côte d'Ivoire. C'est un numéro Orange Money et un numéro Wave. Donc, 07 79 02 52 05. Pour le Gabon, vous appelez sur la ligne c'est Airtel. Vous pouvez faire les paiements par Airtel. Si tu commandes un produit, tu es au Gabon, tu veux récupérer à Libreville. Demain, après-demain, tu peux passer récupérer. Tu payes par Airtel. Donc, écrivez sur WhatsApp. 07 41 80 080. 07 41 80 080.
Ne notez pas. Hein. Après, vous allez venir me demander encore. Je ne vais pas donner. Moi, je vous dis en avance. OK. Je vais mettre l'amour dans votre esprit. Recevez de l'amour. Écrivez, vous demandez, on va vous dire combien coûte la consultation. Que vous soyez connecté aux endroits et aux personnes qui sont les vôtres. Je vois une femme ici là. Tu es dans ton foyer là, hein? Tu veux quitter l'homme là depuis longtemps. Quand les gens vous voient sur les photos. Tout ce que tu as monté, c'est la bague. Godwin, je vais te bloquer. Tu as suivi? Continue à poser tes questions. Quand elle donne le numéro là, tu crois que c'est pour les fous? Tu vois, c'est le numéro qu'elle donne là, c'est pour les fous. Écris là-bas, tu demandes. Voilà. Et tu n'es pas obligé de venir qu'elle te consulte. Et n'aime pas traiter avec les gens qui réfléchissent pas, ça m'énerve. Tu es dans ton foyer, tu es stressé. Tu fais tout pour t'accrocher. Tu t'accroches. Tu veux faire la façade. Dès que l'homme là arrive à la maison, en fait, sa présence t'irrite. Sa présence t'irrite. Et tu as peur de sauter. Parce que tu t'es dit, c'est tout ce que je connais ici. Peut-être même tu t'es marié très tôt. Tu as peur de sauter. Parce que tu te dis, c'est tout, c'est mon premier. Je ne connais pas, je vais faire comment. L'esprit est en train de se manifester actuellement à travers les personnes qui obéissent. Tu envoies beaucoup de SMS, on ne te répond pas. Parce que tes SMS sont beaucoup. OK? Tu commandes beaucoup et te bloques. Tu envoies beaucoup de SMS, je ne te réponds pas. Voilà. Je ne te réponds jamais. Ton énergie n'est pas bonne, Andrea. Tu as compris? L'émoji des pleurs, là, je ne suis pas sur ça. Et sans que ce soit s'il y a trop de Decepticons en ligne. Je chasse les Decepticons de ce direct. Donc, je continue. Tu veux faire la façade. Ton énergie s'est tellement avancée. Tu es en avance énergétique par rapport à ton partenaire ou ta partenaire. Et sans quelqu'un, c'est là que dès qu'il entre à la maison, tu es stressé. Sans les blocages dans ton cou. Dès qu'il arrive comme ça, jusqu'à tu sens qu'il est là. Tu es stressé. Tu dois obéir. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une phase où vous êtes les seuls dans votre entourage à écouter la voix qui vous parle. Donc, vous êtes les seuls. Bonsoir, la reine, celle qui travaille là, bonsoir. Et ce que la voix te dit, c'est quelque chose de tellement nouveau. Et tu as peur de tomber. Tu te dis que j'ai quitté l'homme, c'est parce que la voix m'a dit dans mon cœur de le quitter. J'ai une tata qui m'a dit ce soir. Cette tata sort avec un de mes oncles depuis 8 ans. Et le père la tourne. Tu vois, quand tu vois une tata, tu sais que la femme s'y mérite mieux que l'homme s'y.
Elle mérite mieux. C'est mon oncle, c'est vrai. Mais je t'attaque à voir ton potentiel. Tu vois, le genre d'homme qui te ralentit, non? Déjà, mon gars, elle est sa chisa. Il a tout. Tu vois, j'adore qu'il ralentit. Chaque jour, elle est en train de construire un nouveau. Chaque 2 ans, elle a déjà acheté même 10 terrains au pays. Elle bosse beaucoup. Donc, elle a déjà construit sur un terrain qui est à Yassa. Il aide bien à faire les travaux et tout ça. Hein. Mais. Andréa, elle va te bloquer. Hein. Moi, elle va vous bloquer. Quand elle me met pour faire mon direct, tu sais ce qu'elle dit, ne t'intéresse pas. J'en ai rien à foutre de tes coups battus. J'en ai rien à foutre de tes couches de nuit. J'en ai rien à foutre de ton énergie. Ok? Je m'en fous de votre énergie. Vous avez suivi? Je répète. Je m'en fous de votre énergie. Voilà. Quand elle me met pour mon direct, je te demande à dormir, non? Il va te coucher, tu dors. Il est à 23h, il faut que tu dors. Attendez, je vais bloquer quelques personnes ici là. I don't need you, you don't need me. C'est comme ça que la vie est. Vous avez commencé une ascension spirituelle. Jésus-Christ, toi-même. Tu m'insultes, Jésus, hein? Jésus, toi-même. Si c'est l'injure. Les pauvres comme ça, là. Là, vous n'avez pas l'argent. Vous venez sur TikTok la nuit à 23h pour dire aux gens que Jésus les aime. Pauvre. Lasca, Tentama. Vous riez, vous n'êtes pas encore ri. Ce qui m'énerve, c'est que quand je commence à parler, vous donnez vos commentaires, je ne vais même plus lire. Et quand je vais arrêter de lire, s'il y a un commentaire qui est intéressant ou quelqu'un a une question qui est vraiment normale, tu veux rire, mais tu as peur de te faire bloquer. C'est super ça. Ah, Sentinelle, attends, il te bloque d'abord. J'ai tes jumeaux, j'en ai rien à foutre de tes jumeaux. Voilà. Vous allez comprendre que quand on dit qu'on est appelé par Dieu, donc tu voulais me voir, parce que tu voulais, tu étais amoureux. Maintenant, voilà, Godwin, la tête te bloque. Je suis amoureux de vous, ta grosse tête, pauvre. Madeleine, quand il me fâche, ne me dis pas de ne pas me fâcher, je vais te bloquer. J'ai un jeune homme qui est bloqué ce matin, puis il m'écrit, je me rends compte que c'est même mon cousin. Il est bloqué. Et je ne connais pas comment on débloque quelqu'un sur Facebook ni sur TikTok. Je ne connais pas. Donc si il te bloque là, c'est mort. Tu vas créer un autre compte. Voilà. Mes vidéos, ce n'est pas pour tout le monde. Quand je suis dans mes folies mentales, que je suis loin là, je ne veux même pas que n'importe qui me lise. Mes vidéos, ce n'est pas pour tout le monde. Mon inspiration est trop pure pour vous. Vous avez encore les haines de vos ex dans votre cœur. Vous êtes les vieilles mères de 45 ans que vous avez beaux pour arriver en France là-bas. La jalousie qu'il y a dans votre cœur par rapport aux jeunes filles qui sont en train de réussir, ça vous énerve. Donc vous ne pouvez pas m'écouter. Vous suivez? Vous ne pouvez pas m'écouter. Quand vous allez m'écouter, il y a la haine dans votre cœur. Il y a l'aigreur. Vous voyez une jeune fille, même certaines parmi vous, vous me regardez, je vous énerve parce que je suis belle. Je vous connais. Je peux lire vos énergies. Je n'ai pas encore pleuré de rire. J'espère que c'est le bon rire. Moi, tu vois une femme là-bas, 45 ans. Je prophétise comme toi, je vois aussi. Tu me contactes pour quoi? Tu veux quoi? Oh, Tchunke. Oh, Kayaneke.
Elle tourne, elle tourne. Après, tu vois que c'est une pauvrette. Non, c'est une pauvre. On va les appeler pauvres. C'est une pauvre. Pava, ça va même mieux. Hein. Pauvre pour les garçons, pava. Qui a le dictionnaire là? Maëlys n'est même pas la personne de. Attendez, il met pava dans le dictionnaire. Pava. Elle est pava, elle est bloquée là-bas dans un pays. Quand elle t'écoute, elle dit yeah. Et je dis toujours, je me rappelle de l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Dans un roi. Le jeune prophète, il était sur TikTok. Il avait 2 millions de followers. Ça, c'est les années avant Jésus-Christ. Il y avait un TikTok. Quand il fait mes histoires de la Bible, je vois toujours comme si c'était. Il avait TikTok. Il avait 1 million de followers. Et il y avait un vieux prophète qui était déjà usé, que Dieu n'utilisait plus. Il était là, il avait sa famille, ses enfants. Lui, il n'avait pas TikTok. Ses fils avaient TikTok. Donc un soir, ils sont à table en train de manger. Le jeune prophète avait ses 1 million de vues. Monsieur le président du pays de la baguette, bien choisissez le pays que vous voulez, l'a invité chez lui. Il est venu, le président l'a énervé, il a maudit le président. La main du président s'est figée. C'est dans la Bible. La main du président. Tu m'as vu à Badjoun le week-end surpassé. Tu m'as pas salué, non? À tête bloc. J'ai vu à Badjoun le week-end surpassé. Tu fais mon quoi sur ma page? Attends, hein. Piap. Piap. Oh, you are. Piap. Interdit d'être pauvre et me suivre. Voilà, tu as été bloqué. Voilà le prophète qui avait ses combien de son fils. Il prend le téléphone de son fils. Son fils est en train de regarder comment le jeune prophète est en train de faire les exploits. Il dit, donne-moi un peu le téléphone, je vois. C'est qui comme ça? Hey, il a 1 million de followers. Hein. Son fils dit, oui, papa, on le connaît vraiment. Il est parti à la présidence. Il a fait comme ça, comme ça. Le prophète, le vieux prophète dit, fais-lui un DM. Écris-lui en inbox. Il écrit en inbox. Bonjour, le Seigneur soit avec toi. Moi aussi, je vois. Tu sais, en 1945, j'avais les dons spirituels. Vraiment, je partais en pèlerinage en Israël. Le jeune prophète aussi. Hein? Écoute, je m'en fous. Je ne débloque pas la personne. Même toi qui as demandé, débloque. Attends. Vous me connaissez même. Et ah. Le soir, c'est là, j'ai la rage. Lord's Eye. Voilà. C'est vous les chrétiens là. Vous venez sur mes pages dérangées. Ne m'embêtez pas. Non, je l'ai bloqué. Vous ne dérangez pas. Je ne veux pas les chrétiens ici. Quand je me mets en direct, c'est votre énergie que je canalise. Quand il y a trop de chrétiens, trop de religieux, trop de pauvres, trop de pavas, ça bloque le flow. On ne peut pas parler, il n'y a pas les bons trucs qui sortent du direct. On continue notre histoire. Voilà le prophète, le vieux prophète. Il dit, le Seigneur soit avec toi. Jésus-Christ t'aime. Il envoie. Il prend même les cadeaux TikTok là, il envoie. Le jeune prophète là, il est en direct comme moi. Il dit, hey, ça c'est qui comme ça? Après, il dit, le Seigneur m'a parlé. Je t'invite chez moi. Oh, l'Esprit de Dieu qui est connecté dans l'esprit de ce jeune prophète lui avait dit, ne pas chez quelqu'un manger. Comme dans la nuit, dans le rêve, là, on t'a dit de venir suivre mes vidéos. Tu ne viens pas suivre là. Ne viens pas suivre. Ils vont encore venir dans le rêve, te dire, viens me suivre. Tu t'abonnes, tu te désabonnes, tu t'abonnes, tu te désabonnes. Oui. Voilà, le jeune prophète dit, ah, finalement, il dit non, il parle le langage chrétien. Il dit qu'il se lave aussi au sel. Il dit qu'il se lave au sel. Ah, peut-être que il arrive chez eux à la porte. En route, même la voiture se gâte 3 fois. Mais il dit, bon, mon frère en Christ, c'est quand même un frère en Christ, non? Il arrive chez lui.
Il s'assoit et mange. Il a désobéi à ce que ses ancêtres lui ont dit. Voilà le vieux prophète qui est rouillé, abîmé. Comme le jeune prophète est arrivé là-bas en désobéissant à l'esprit, il n'est plus sensible à l'esprit de Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a interdit de faire. C'est pour ça que chacun d'entre vous a ses interdits. Tes interdits ne sont pas mes interdits. Depuis l'autre jour, vous faites que me dit que oh, l'alcool est bien. Il y a des personnes que je connais, que je travaille avec eux. C'est quand ils boivent qu'ils peuvent bien te prophétiser sur toi. Et c'est que vous attendez qu'ils disent que non, l'alcool est mauvais. Comment? Tu veux boire, tu bois. Il y en a qui fument que le truc là. Le truc qui sent trop mauvais là. Hmm? Quand ils fument ça, ils voient les étoiles. C'est là qu'ils peuvent te... Ils te voient, ça là, ça bouge pas, ça manque. Il te dit tout sur toi. Chacun a ses interdits. Voilà, si le volume est bon, c'est bon. Comme le jeune prophète avait désobéi, il ne pouvait plus entendre la voix de Dieu. Donc concernant sa propre mort, Dieu est passé par le vieux prophète rouillé pour lui dire, tu as désobéi, tu vas mourir. Et la mort, c'est d'abord la mort spirituelle. D'abord. Tu dis que c'est le dolet. Ce sera même un coup. Chez nous, on appelle ça un coup. Il vous fait une prédication. La tête te bloque, hein? Ça va te prédire les choses. Tu as compris? Voilà le prophète. Le vieux prophète commence à lui dire, tu vas mourir. Il finit sa soie. Si je vous demande pourquoi le vieux prophète a menti à ce jeune prophète, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Tu vois quelqu'un là, hein? Il a du succès, il est sur les médias, le président l'a invité à la présidence, voilà, il a ses millions d'abonnés, il vend bien ses produits. Dieu m'a dit de te dire que tu dois venir chez moi. Il dit que non, Dieu m'a dit de ne pas venir chez quelqu'un. Non, moi-même j'écoute la voix de Dieu. Reine Lumière, vous êtes combien à essayer de me contacter? Moi aussi je vois, hein. Moi, là, je ne vois même pas. Laisse. Tu vois, je ne vois pas. Faut me laisser. Va dire ce que tu vois sur ta page. Il y a des gens qui vont vous bloquer. Parfois, tu ne sauras pas pourquoi la personne a fait. Parce que sur cette terre, si chacun est poussé ou influencé par un esprit, ça peut être... Je ne voulais pas te supprimer, mais bon, comme tu insistes, pourquoi ne pas? Je viendrai à RDC, soyez patient, priez pour que je vienne. Donc à partir du mois de septembre, je vous annoncerai les pays où je vais venir. J'organiserai des réunions où vous pouvez venir gratuitement, bien sûr. J'enseigne, vous écoutez, après vous partez. Maintenant, ceux qui veulent acheter les produits, vous pouvez acheter. Et ceux qui veulent prendre les consultations, vous réservez pour revenir le lendemain et être consulté et lavé. Mais je voudrais que vous veniez me ranger. Je vais vous donner la possibilité de venir me voir maintenant physiquement, gratuitement. J'en faisais seulement à Douala depuis 3 mois. Donc, à partir de septembre, on va organiser. Je vais commencer par le Burkina. Je viendrai au Burkina. Je viendrai en RDC. Burkina, RDC, Gabon, Côte d'Ivoire. À part déjà Douala et Yaoundé. Donc, quand vous me voyez et que vous êtes intéressé, ceux de Paris, vous voulez me voir, vous venez me voir au Cameroun. Hein? Vous allez avoir dit moi que venez en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu ne me suis même pas. Je suis en Côte d'Ivoire depuis une semaine. Jusqu'à pas après demain. Venez en Côte d'Ivoire, venez. Ne fais jamais mon programme à cause de vous. Hein. Parce qu'elle vous connaît là. You're fickle. You are fickle. Fickle, ça veut dire vous êtes éphémère. Vous êtes comme la fumée. Un jour, vous êtes là, un jour, vous n'êtes pas là. Ne fais pas mes programmes à cause de vous. S'il y a 10 personnes ici qui me disent de venir, si j'arrive dans votre pays là, sur les 10, même pas une personne va venir me voir. Je vous connais. Je viendrai au Togo. L'Europe, laissez-moi. Je ne viens pas en Europe.
Je ne veux pas les maux de tête de Watt. En Afrique, tu as tes dos, tu es le maître. En Beng là-bas, on va vouloir te dire, madame, alignez-vous ici, asseyez-vous ici là. Mettez vos fesses comme ça, comprimez vos fesses. Laissez-moi tranquille. Je n'aime pas les règles. Tout ce qui est règle, assois-toi comme ça. Mets-toi comme ça. Je ne veux pas. Je veux là-bas bloquer les papiers. Quand le papier arrive dans ta boîte à lettres, ça te stresse. Tu veux venir me mettre encore sur le stress là. J'ai fait 13 ans dans ça. Je suis à l'aise en Afrique. Je pars dans tous les pays qui veulent, c'est bien. On n'a rien à vous envier ici. Il y a tout ici. Tu vis dans le luxe que tu veux. Voilà. Basdika, je te bloque. Vous aimez les problèmes. Attends, te bloque. Regarde mon doigt. Oh yo non. Oh yo non. Google bloqué. Oh. Vous pensez quoi de? Ça me donne l'argent. Ça me donne l'argent. Vous n'allez jamais me voir me mettre ici parler de quelqu'un. J'ai mes propres produits que je vends. J'ai mes propres business que je dois faire. Je viens me mettre sur la toile, je parle de quelqu'un. Oubliez-moi. Dédicaire, même dans le rêve. Si je rêve que je suis en train de parler de quelqu'un, je vais me réveiller. Comme cela, plus jamais. Never. Moi, jamais me voir sur les réseaux sociaux qui parlent des gens. Je vois ce qu'ils font, hein. Mais je n'ai aucune opinion. Que pourquoi maman a bloqué qui? Tu veux que te bloque aussi? Tu veux que te bloque aussi? Hop. Il y a des personnes qui savent votre lumière. Et parfois, tu as déjà fait l'effort, tu t'es débarrassé de l'influence négative de votre famille. Tu t'es libéré d'une prison pour aller entrer dans l'autre prison. Tu te libères de ton père, de tes soeurs, de tes cousines. Tu tombes dans le pasteur. Tu tombes dans le pasteur. Le pasteur te prend comme si on a attaché tes chevilles, on t'a soulevé en l'air avec les pieds. Et donc je fuyais, je ne veux plus que ma famille. Tu quittes de la poêle, tu pars au feu. Et il vient avec au nom de Jésus. Hein? In the name of Jesus. My sister. J'ai consulté une dame comme ça hier. Et elle s'est retrouvée en train de sortir avec un blanc parce que son pasteur. Oh Seigneur. Le Watt est marié. Le Watt est marié. La jeune fille, il vient lui promettre des choses. La lune. Tu vois quelqu'un là, il n'a même pas. Même le caillou qui est devant lui n'a pas pu décocher. Tu crois que c'est la lune qui est dans le ciel qui va décocher? Pasteur dit que non. J'ai vu. Il va quitter sa femme pour toi. Là voilà. N'est-ce pas? Là voilà depuis 5 mois. Il a bien mangé le chocolat. Donc, il y a d'abord l'influence négative du pasteur. Beaucoup d'entre vous, leaders, là, ils vous attachent beaucoup, hein. Vous avez même peur. J'ai eu un petit comme ça. 2020, je voulais l'embaucher. Je voulais qu'il prenne mon équipe de community management là, qui gère ça. Il y avait un prophète qui l'appelait Daddy. Faites attention. Vos mots de Daddy et Mommy là. C'est pour ça qu'on m'a appelé Mommy. J'ai dit jamais. Appelez-moi Reine Jocelyne. Appelez-moi Reine Lumière. Ne m'appelez même pas ma reine. Laissez-le ma devant. Appelez-moi Reine Lumière. Point. Ne me flattez pas. Flatterie, c'est pour le diable.
Ceux qui veulent que je sois leur guide spirituel. Il y a plusieurs degrés avec moi. Si tu sais que tu as l'argent et que tu veux passer en priorité chez moi, quand tu écris, tu dis VIP. Sache que mes premiers soins avec toi, tu vas payer au moins 300 000. Mais sache que je vais te prendre en priorité, parce que je ne vais pas blaguer. Dès que j'arrive dans ton pays, c'est toi qui prends. Maintenant, tu sais que tu vas être suivi, mais tu vas prendre tout l'argent qu'il faut maintenant. On échelonne les choses. Tu fais un lavage à distance d'abord, tu prends un produit que tu utilises, tu prends l'autre, après tu fais, donc, progressivement, tu fais les choses. Et il y a la formation spirituelle en septembre, tu rentres là-dedans. La formation spirituelle, c'est 50 000. Tu écoutes, ça va t'éveiller. J'ai conçu la formation avec le niveau 1. Pourquoi quelqu'un vient de sortir 500 000, il me donne, ça veut dire que sa spiritualité est là au niveau 2 ou 3. Pour qu'il valorise autant la spiritualité pour porter son argent pour les mettre dedans. Voilà. Donc soyez vigilants, be careful. Quand le jeune homme touchait son salaire, dès qu'il envoie la dîme, le monsieur sait que s'il m'a donné 25 000, ça veut dire qu'il a 250 000 qui entrent dans sa poche. Si j'enlève les 25 000, ça veut dire qu'il lui reste 225 000. Bon, si son loyer c'est 50 000, ça veut dire que le pasteur faisait les plans sur l'argent du petit. Vous me suivez? Oh, vous pensez que la fête est... Vous tombez sur les gens en ligne là. Ils vous écrivent, vous êtes tout derrière eux. On te dit qu'on va tout te donner le même jour. Je dis oui, 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 oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes fous? Hein? Une me contacte aujourd'hui. Je veux faire mes papiers. Est-ce que tu te payes? Tu vas me faire que je parte au Canada dans le mois prochain? Là, là, là. Je ne fais pas les papiers, mamie. Je travaille que si on t'a bloqué, je te débloque. Et même pour te débloquer, je te débloque en étage, en échelon. Si tu viens, tu me payes 300 000. Celui qui est parti te bloquer, ça fait 5 ans qu'il te bloque. Et il t'a utilisé 2 millions pour te bloquer en 5 ans. Donc tu vas faire 300 000, je vais faire seulement un truc, ça va marcher. Ne répondez pas à celui-ci, attendez le bloc. Voilà. Donc, vous devez vraiment être conscient. Donc, quand il porte 25 000, il donne. Après, le pasteur commence à lui dire, voilà, lui, il est fini à la maison. Il faut le riz. Il dit, yay. Ceux qui viennent d'arriver sur ma page, commentaire déplacé là, vous les laissez, hein? Je les bloque seulement. Moi, je n'ai pas le temps de vous répondre, je n'ai pas le temps de bavarder avec vous. Il n'y a pas lui là à la maison. Donc, il sait que c'est le reste des 225 000 là. Il doit encore sortir même peut-être 40 000 pour acheter les choses pour mettre à la maison. Et quand il ne fait pas, tu sens comment le père est fâché. Daddy, mamie, ne me momiez pas. Il y a deux enfants. Ne venez pas me momier. Tu dis que hey, qui est lui là? Il y en a ici là, vous avez tollé les maisons de vos pasteurs. Ma fille, tu sais que la rentrée arrive, tes petits frères vont partir. Bientôt à l'école. Oui, je les ai inscrits maintenant à l'école Orchidée là. À la montée Jouvence. Oui, ma fille. C'est la pension, c'est 100 000 francs. On a dit d'avancer 70. Papa, tu me dis pourquoi? Hein? Moi-même là, je n'ai pas des enfants. Va commencer à te biper le 30, 31, 1er, 2. Non, je voulais seulement te saluer. Tu sais que je suis partie pour prendre la liste des fournitures de tes petits frères. De tes petits frères.
Comme tu n'as jamais dit, tu as manqué d'amour paternel dans ta vie. Comme quelqu'un t'appelle ma fille là, tu as tourné ta tête, c'est ça? Oui, papa, daddy. Daddy. Daddy, oh. Daddy, mo. Oh là là. Est-ce que vous voulez appeler Daddy à minuit? J'ai fait un cauchemar. Oui, dans mon cauchemar. Tu passes une heure de temps à minuit pour raconter le rêve à Daddy. Daddy Mo. Hein? L'argent que tu payes le début du mois, là, c'est ça que tu es en train de consommer en l'appelant à minuit. Vous savez que vous ne pouvez pas m'appeler à minuit et décroche. Jamais, jamais ne ment. Et jamais ne ment. Vous n'avez pas l'indépendance spirituelle. Tu fatigues le père. Quand tu le réveilles, sa femme dit que c'est qui? Ah ouais. Et au gamme, ah, et comme ça, il paye sa soie. Il est au téléphone avec toi à minuit. Monsieur le Duc, même moi je suis guide spirituel. Je suis sûr que mes méthodes, il y a les pasteurs qui prêchent. Je suis sûr qu'il y a les pasteurs qui ont prêché contre moi. Genre, oui, il y a une fille, je vous ai vu sur son profil dans le direct, vous étiez en train de commenter. Oui, elle s'appelle Reine Lumière. Oui, elle vous dit de vous laver avec le sel. Vous croyez que c'est ça qui va vous sauver? Il n'y a que le nom de Jésus. Hein? Je connais. Elle vous dit de partir au village sur les tombes de vos... Hein? Qui vous a dit qu'on parle aux morts? Hein? C'est le sang de Jésus qui libère. Beaucoup de personnes qui m'ont copié en ligne. Beaucoup. Beaucoup. C'est pour ça que vous voyez, moi, je ne... Et je préfère laisser les miettes pour la galerie. Ça ne me dérange pas. Moi, je veux la crème de la crème. Je veux la crème de la crème. Oui, non, comme je vous parle d'eux. Moi, quelque part, ça me fait rire. Hein? Vous n'allez jamais me voir avec, avec les gens de mon groupe. Il y a des personnes que je suis spirituellement. Vous êtes encore avec des pasteurs. Quand ça vous brûle, vous venez en parabole me dire, mais je sens ça, je sais. Je sais. Une me dit une fois, qu'elle a commencé à me suivre et tout ça là. Elle était très attachée. Donc, un jour, elle reste, elle décide de payer sa dîme chez moi. Le mois là, il y avait un pater au pays qui savait déjà qu'il pointe sur elle tous les jours. Il sait que bon, tous les mois, elle m'envoie la dîme, elle m'envoie les offrandes, elle m'envoie les autres, tous les orphelins. You need to learn French, eh? That's good, oh. Please learn French. Carles Antonio, bonjour. Tu ne dors pas. Joyeux Noël. Finchou, tu as fini de tes amourettes. Avec ta go que tu ne veux pas finir avec elle depuis là. Pardon, il faut faire l'épisode où tu finis avec elle, pardon. Et je suis fatigué que tu la tournes. Hey! En tout cas, on va voir ça à l'inbox. Tu là, tu fais comme si je ne comprends pas, ça m'énerve. Elle est derrière toi. Je vais faire le syndicat des filles. On va parler contre toi. Quand regarde ça, ça m'énerve jusqu'à. Et te dis-moi, Flenjou. Tu la tournes trop. Et tu as mis la balle dans le camp des hommes. Tu as fait le regard qu'une fille court derrière toi. Je vais faire mes reprises. Tu as dit que tu attends les reprises, non? Tu ne veux pas le couple, hein? Tu vas vouloir. Il faut faire un épisode où tu t'attaches à te viol.
Alors, laissez-moi faire ça là. Attends, continue mon direct, monsieur Flenchou. Je n'aime pas qu'on prend le pouvoir des femmes. Il faut donner le pouvoir aux femmes. Bon, continuons. Ah, la dame voit donc. Elle décide un matin qu'elle va payer sa dîme chez moi. Elle paye le mois. Le mois où elle commence à payer. Elle appelle le prêtre. Elle dit, bon, j'ai envoyé l'argent de l'orphelinat. Hey! Il se fâche. Il se fâche. Hein? Ton petit agent là que tu envoies, hein? De toutes les façons, il ne faut même plus me contacter. Il a insulté la femme là et il raccroche. Elle était sous le choc encore. Elle me fait le message. Que mais, j'ai un prêtre chez qui je faisais. Qu'elle décrit. J'ai dit, ah. Donc tu faisais comme si tu étais. Alors qu'il y avait un prêtre qui te suivait. Ça ne me dérange pas. Mais choisissez. Très important. Choisissez. Parce que beaucoup d'entre vous, ça vous embrouille. Ça vous embrouille. Tu viens, tu m'écoutes. Quand il parle, ça te. Tu veux te libérer. Dimanche, tu pars à l'église. Je ne vous demande pas de ne pas partir à l'église. Hein. Mais vous, là, vous êtes abonné au moins sur 5 pages ici, là, en ligne. C'est pour ça qu'on me bloque beaucoup de personnes. Je vous aide à quitter sur ma page. La prostitution spirituelle vous bloque beaucoup. Beaucoup. Dès que tu viens de me suivre comme ça, là, tu passes sur une autre personne, tu guettes. Après, tu passes sur une autre personne, tu guettes. Après, tu passes sur une autre personne, tu guettes. C'est ça qui fait que tes choses n'avancent pas. Parce que dans le spirituel, les personnes que le Seigneur a honte pour faire quelque chose, ces personnes ont comme une sorte de d'épée. Une sorte d'épée. Que quand tu écoutes la personne, c'est comme si ça coupe les chaînes qui étaient sur toi. Si vous m'écoutez, vous allez savoir qu'il y a des principes. J'ai fini par comprendre que je suis féministe. Même comme je ne me décrirais pas comme féministe, c'est parce que je ne suis pas mariée. J'ai vu trop les couleurs des hommes. Ce qui fait que si une femme mariée m'écoute, elle aura beaucoup de problèmes avec son mari. Donc moi, gros, dis-moi, Rora, si tu es mariée et tu veux rester en couple, ne me suis pas. Don't follow me. Un matin, tu vas te lever, tu vas prendre tes choses, tu vas sortir, tu vas partir prendre une maison qui est plus chère. Parce que depuis, tu dis à ton mari que aménageons dans allons dans tel endroit, je vais vivre dans le quartier le plus cher de la ville. Ah, tu vas prendre l'argent où? Parce que quand tu vas m'écouter là, ton esprit va vouloir s'étendre. Ton esprit va vouloir expandre. Ton esprit va vouloir découvrir. Déménager pour aller dans un autre pays. Tu ne peux pas t'empêcher. Et l'homme avec qui tu es là, comment on t'a forcé que marie-toi? On dit non, c'est bien. Tu as une petite voiture, tu as un petit boulot. Maintenant, il te faut un mari. Où on n'a pas donné Joseph, pourquoi on a seulement donné Marie, je ne sais pas. Quand tu fais tout ça, tu es là comme ça, là, tu ne te sens pas à l'aise. Mais pourquoi je ne me sens pas bien? J'ai déjà tout ce qu'on m'a dit, non. J'ai le mari, j'ai la starlette. Et les gens là veulent toujours que vous ayez la starlette, hein? Rien d'autre. J'ai la starlette. J'ai un petit boulot. J'ai déjà fait 3 enfants. Tu vois, si tu vois une femme avec un Range Rover. Tu vois une femme avec un Range Rover, ça, ton cœur fait que boum, boum, boum. Que boum, boum, boum. Voilà ce que tu es censé avoir. Tu dis que yay! Non, arrête-moi, Satan. Voilà ta bataille. Hein. Voilà ta bataille. Parce qu'il y a une partie de toi que quand tu m'écoutes. Avant, je croyais que j'avais des troubles de personnalité. Kamit, je vais te bloquer. Commente encore, tu vas voir. Commente, fais encore un commentaire, tu vas voir. Kamit, fais. Ça fait 5 minutes pas bloquer quelqu'un. Fais le commentaire, il te bloque. Vous voulez qu'elle laisse ce que je suis en train de parler, vous voulez parler pour vos bêtises. Vous n'aimez pas apprendre.
Même dans mes consultations privées, ceux que je consulte en privé, c'est les personnes qui écoutent d'abord mes vidéos. Si tu n'écoutes pas, tu laisses. Voilà. C'est ça que moi, j'aime moi vous bloquer. Ou même Camille, là. Vous venez de déranger mes idées ici, là. C'est bien, Marine. Tu te bloques. Tu as voulu la connexion de quelqu'un là-bas, tu vas venir ici là déranger les gens. J'ai fait les longues vidéos exprès. Alors tu as mis la connexion de 500 ou de 250. Si tu fais 3 heures de direct, ta connexion va finir. C'est intentionnel. Il y a quelque chose en toi qui veut s'étendre. Tu es cloué dans le même pays depuis 5 ans. Alors que chaque fois que tu vois quelqu'un à l'aéroport, tu vois quelqu'un voyager, ton corps fait que... Tu es censé voyager donc... Oh là là. Tu sais que tu es censé voyager. Tu sais que tu es censé faire le business à l'international. Gorgeous Cameroun, on ne me dit pas de ne pas me fâcher. Regarde comment il te bloque. Voilà. Vous allez voir. Vous allez me signaler sur TikTok que la femme, celle-là, elle bloque trop les gens. J'étais bloqué. Voilà. Tu ne peux pas réaliser quelque chose qui n'est pas ancré dans ton esprit. Tu ne peux pas réaliser quelque chose que tu n'as pas vu. Parfois, tu restes comme ça là. L'esprit te dit, va au sommet de la ville. Là où je vous parle, j'ai toute la ville devant moi. Tout Abidjan là, je vois ça devant moi. Je suis au 13e étage d'un immeuble. L'esprit te dit, pars à la défense, tu prends une nuit là-bas, 150 euros, tu payes. Parce que les idées qui vont tomber dans ton esprit le soir là, les idées de 1 milliard d'euros. Bébé, on va prendre l'argent de ça où? Toi, voilà, tu partages avec ton pauvre. Ton pauvre là. Vous allez vous reconnaître seul, je vous bloque seulement. Ton pauvre, oui, je sais pas, j'ai envie de passer une nuit là. Mais tu touches 1500 euros, comment tu peux prendre 150 euros pour aller rester dans une chambre d'hôtel? Hein? Pauvre ne peut pas expliquer, comprendre. Tu es temporairement pava. Tu es temporairement pava. Parce que tu as écouté les gens. À chaque fois que tu as une idée pauvre, te fait peur. Il t'effraie. Non, tu sais, j'ai dîné avec un pauvre comme ça une fois, non. Pauvre voulait qu'elle devienne sa pava. Hein. J'ai dit que papa, j'étais pava, ça fait quelques années. Pava, atem. Et oh. Pava est parti. Tout ce que tu lui disais, disais, non, j'ai fait ça, ça ne marche pas. Non, j'ai essayé, non, non. Il connaît tout le monde, il a déjà tout essayé. Et il est toujours pauvre. Je dis, mais non. Ton énergie là va maintenant. I don't want that. I don't want that. Mon nom de famille ne peut être Pava. Mais non, j'ai déjà fait ça. Tu parles de crypto-monnaie. Mais non, je connais, j'ai déjà fait. En fait, tu as fait, mais tu n'es pas devenu riche dedans. Mais non, je connais. Je connais. Je peux te montrer. Non, laisse, je me cherche seul. Ne me montre même pas. Parce qu'en cherchant, je tombe, mais j'apprends. Parfois, par paresse, tu laisses pauvre t'aider. Pauvre met l'onction de pauvre sur tes choses. C'est comme ça que tu te retrouves et tu deviens pava. Et ce sur quoi tu concentres ton énergie, c'est ce que tu manifestes.
C'est pour ça que vous devez choisir les réunions dans lesquelles vous entrez sur TikTok. Tu viens, tu vois une réunion où on parle, on met le cœur, on met les poumons. Que la petite fille là, elle n'est plus avec le gars là. C'est que son nom commence par K là. Hein? Oui, elle n'est plus avec lui. Tu vois, les gens passent 2 heures à discuter dessus. Ça ne leur donne même pas 5 francs. Et ils ont même bloqué les cadeaux du direct. Donc tu ne peux pas donner le cadeau dans le direct. La preuve, tous les pauvres qui sont connectés pour écouter le Congo ça, personne ne donne même une petite rose de 1 point. Association de pauvres et de pavas. Ça a pris tes 2 heures. Tu sais combien de temps ça va te prendre pour enlever l'énergie là de ta maison? De ton esprit? Voyez les choses comme ça pour vous, c'est... Vous ne savez même pas. Non, c'était pas elle. Non, non, non. Il a fait la chanson parce qu'il voulait l'utiliser. Non, quand sa tante est venue parler là. Hein? Non, mais... Ah, pas la cata. Pour toi, quoi? Ah, Hakaboua, ça te donne l'argent. Hein, pauvre? Tu es toujours là. Et ça a le goût, hein. Ça a le goût. Parfois, tu es comme ça sur ça. Ton intuition te dit que sors de là. Sors. 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 30 minutes plus tard. Une autre personne prend le micro et dit oui. Oui. Non, non, franchement, ce n'était pas ça. Elle savait déjà qu'il a trompé. Elle savait qu'il avait une fiancée. Hmm? Non, non. 1700. J'ai vu l'autre jour que c'est 1700 personnes connectées, non. Vous mettez les poumons, vous mettez le cœur. Quand tu arrêtes le direct comme ça, là, en piant, 5 francs n'a pas augmenté dans ton compte. Hein? Choisissez bien vos réunions. Choisissez bien vos réunions dans lesquelles vous venez sur TikTok. Tout est énergie. Donc, même les gens qui entrent dans mes réunions ici sur TikTok, ça ne va pas, ils te bloquent. Voilà. Tu vois là, tu portes les 150 euros, tu pars prendre la chambre d'hôtel. La nuit là, tu fais un... D'abord, le lit sur lequel tu te couches là, hey! C'est comme si tu nageais. C'est comme si tu nageais dans les plumes. Tu nageais comme ça là. Hey! Tu es d'abord à l'aise. C'est bon, c'est, tu dis que non, il faut que je sois riche. C'est vrai, dormir sur le genre de lit toutes les nuits. Pas mon matelas de 80 euros que j'ai acheté sur le bon coin là. Hein? Matelas que c'est, on a pris chez une grand-mère qui était morte. Tu te lèves à minuit. Tu regardes la ville. L'Esprit de Dieu commence à te dire, tu vois l'immeuble là? Dans quelques années, tu vas avoir ça. Tu vois? Bientôt, tu auras ça. Tu vois ça? Oui, bientôt, tu vas voyager. À la réception de l'hôtel, quand tu es arrivé, tu as vu des touristes qui sont arrivés. Hi, hi, yeah, we just dropped in. Yeah, we're coming from US, yeah. We were in California. Tu écoutes, comme ils parlent, l'Esprit te dit, bientôt, tu vas voyager. Toutes les 2 semaines, tu seras dans l'avion. En fait, Dieu avait besoin de passer un moment avec toi pour te dire des choses. Écoutez, hein? Écoutez. Il y en a que mes vidéos vous ont rendu riche. Ne témoignez pas, ne venez pas me dire. Je vous connais. Tu deviens riche, tu fais comme si tu ne me connaissais pas. Ne te dérange pas. Je sais que mon travail marche. Parce qu'il fait d'abord sur moi-même. Donc, même si vous ne venez jamais me donner l'argent, ma part de travail marche, ça me donne d'abord l'argent. Je balais ce soir. C'est pour ça que j'ai tardé. J'ai fait 40 minutes avant de faire le direct. J'ai un ami. Têtu comme la tête, quand tu coques là, la tête des petits-enfants du quartier à Tungang là. Tu vois la tête qu'on vient de raser là, ça était lisse. Têtu. Ça fait 6 mois qu'elle commence à travailler sur cet homme. Il me dit que
J'ai fait un travail, je l'ai même forcé. Il a fait un travail de 800 000 francs l'autre jour. Il avait prévu faire pour 450. J'arrive sur place, je fais le premier, il dit que non. Je dois dépêcher qu'on achète un deuxième animal, je fais. En faisant, c'était dit que, ah, que j'ai prévu de dépenser 450 000, tu me doubles l'argent là comme ça. Il voulait bavarder un peu. Il a quand même laissé, il n'a rien dit. Ça fait avion, ça fait 9 jours. Entre 9 et 10 jours. Il me dit que le chef des impôts de son pays, de sa ville, pardon, il fallait dire à l'homme là que tu sais. Il fallait pas te mentir dans ton cœur. Il fallait lui dire que je sais. Il fallait dire au monsieur. Vous avez peur de dire aux gens que vous savez que vous êtes belle. Il me dit que le chef du bureau des impôts de sa ville lui a dit, lui a donné le contact d'un comptable. Il est en train d'économiser par mois au moins 1 million sur ses impôts. Tu vois déjà le comptable que tu as qui fait mal les déclarations. Après, quand on te fait le rappel, après quand on fait le contrôle, on te dit, madame, monsieur, vous devez payer 15 millions parce qu'on n'a pas bien. Donc, et ah, Seigneur. Quand il m'a raconté ça ce soir, il m'a dit que voilà, il te forçait la semaine passée pour travailler sur ton nom. What makes me young like this? I don't take bullshit anymore. Il me demande ce qui fait qu'il devient jeune comme ça. Je ne prends plus la merde de n'importe qui. I don't take bullshit anymore. Je fais ce que j'ai envie de faire. Ce que je ne veux pas faire, je ne fais pas. Hmm? Tu as compris? That's my secret. I don't like it. I don't do it. I don't like you. I don't stay with you. Ouais. Voilà le secret. Et là, il me disait que l'argent qu'il est en train de voir en 4 jours que le monsieur a été en contact avec lui, il a mis sur un nouveau régime fiscal. Il a tellement fait. Il était dépassé. Parfois, tu es dans un endroit comme ça là que tu dépenses l'argent tous les jours. Donc ça t'épuise. Tu sens que tu es épuisé spirituellement. Parce que tu n'arrives jamais à économiser. Dès que tu as un peu d'argent, telle facture, telle ceci, telle cela, à la fin du mois, au lieu d'avoir peut-être même 2 millions que tu as déposé un compte quelque part, quelqu'un que son business fait au moins 800 000 par jour, il n'a pas 5 millions en banque. Il n'a pas 5 millions cash. Toujours un faux problème. Donc, tu ne comprends pas ce qu'il fait à son argent. Vous ne connaissez pas les problèmes spirituels que vous avez. Pourquoi tu es la femme d'un homme riche comme ça là? La femme d'un homme riche. Tu n'as même pas un terrain que tu as acheté ou tu as mis rien. Tu es là, tu es dans la grosse voiture, Range Rover, Prado, peu importe. Mais tu n'as pas un petit terrain que tu as déposé, que même pas que petit, tu n'as pas un terrain, rien. Tu es là. Donc, on continue avec la femme qui est partie à l'hôtel pour la nuit, là. Si elle fait l'erreur de partir à l'hôtel la nuit, là, avec son mari, c'est mort. Parce que parfois, l'esprit a besoin d'être avec toi pour te dire tes choses. Que ma chérie, tu vois la voiture ici? En anglais, on dit « want this ». Donc, D-O-N. Si tu es venu te plaindre, je te bloque. Ok? C'est pas le commissariat ici. Tu vas te plaindre, tu vas te plaindre dans ton tribunal. C'est, le volume est bon, non? Une petite plainte te bloque. Il y a le commissariat. Va au 12e te plaindre. Merci. Vous venez parfois, vous venez dans le direct de quelqu'un. Quelqu'un est bien. Yeah! J'ai tel problème. Yeah! J'ai la chèvre. Va pleurer ailleurs. Quand on travaille sur le village, tu tires la chèvre comme ça pour aller la tuer. Va pleurer ailleurs. Quand
tu fais l'erreur, l'esprit a besoin que tu sois seul pour qu'il te souffle tes choses. Et je vous dis toujours que avant que tu puisses avoir un prophète qui prophétise sur ta vie, toi-même, tu dois avoir entendu un peu ta prophétie. C'est pour ça que vous fuyez souvent mes trucs. Si tu viens en consultation, tu as sauté les étapes. Je vais te renvoyer. Je te dis, va encore faire 2 semaines, tu écoutes mes vidéos. Même si tu as payé. L'esprit a besoin d'un tête-à-tête avec toi. Il te dit, va au restaurant. Sors 40 euros. Je sais que pour vous, venez en Afrique, vous allez voir comment on mange l'argent. Venez voir comment on mange l'argent en Afrique. Tu pars d'un restaurant 5 étoiles ici là. Une soirée, tu manges 60 000. Seul, hein? Vous n'êtes pas deux. 60 000, c'est combien d'euros chez vous? 90 euros, non? N'est-ce pas? Le matin, tu manges encore combien? 45 euros. Pendant ton tête-à-tête avec le Saint-Esprit, tu manges, tu écoutes du bon jazz, tu prends ton verre de vin. Tu vas mettre un doigt, on soulève le doigt comme ça, là, on soulève un doigt. Madame, vous avez besoin de quelque chose? Oh non, non, ça va, vous inquiétez pas. Tu es au bord de l'eau. Tu as la vue sur la ville. Tu as la chanson en live qu'on est en train de jouer là-bas. Après, l'esprit te parle. Oh! Vous faites quoi en bengo? Vous voulez qu'elle vienne là-bas? Vous voulez que... Mof, laissez-moi ça. L'argent s'annonce. Écoutez, je sais que c'est chaud qu'on vous a jamais dit. Quand tu vas avoir l'argent, tu le sens. Tu le sais. Tu te couches, tu dors comme ça, là, tu n'as même pas l'argent dans ton compte. Mais quelque chose en toi, tu te lèves, monsieur Monita écrit. Bonjour mon bébé, tu as reçu... Tu dis money, 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 money. Je n'attends plus que ma main gratte. Et tu dis que quand tu attends que ta main gratte avant que l'argent vienne là, je déclare que même tu m'as gratté ce soir. Ça, c'est des petites superstitions. Même tu ne vas que gratter aujourd'hui. Et qui sait, je déclare que ma main gratte. Oh, moi, je force l'argent sur moi. Hey, Gérard dit que j'insulte trop les gens. Hey, oh Tamha, tu sors d'où, papa? Tu es d'abord venu demander que qu'est-ce qui me fait jeune. Tu es jaloux, tu es pauvre. Jaloux ou pauvre? Choisis ton camp, tu me dis. Attends, te bloque d'abord. Et moi, dis, il est vieux comme ça là. Il est pas beau ce garçon. Je suis désolé, je t'ai bloqué. Maintenant, il voit ta photo. I don't want to talk to you, guy. I don't want to talk to you. Il dit que j'ai insulté les gens. Ma page, c'est pas pour tout le monde. Déclarez ici là que votre main gratte. Voilà le seul commentaire qu'il ne veut pas bloquer. Que c'est ton pied qui gratte. Quand le pied gratte, ça veut dire que tu vas voyager. Quand c'est le pied qui gratte, ça veut dire que tu vas voyager. Gossingo. Je suis tellement violente avec vous parce que vous laissez trop n'importe quoi entrer dans votre esprit. Vous me suivez? Je suis violente avec vous parce que vous laissez n'importe quoi entrer dans
dans votre esprit. Tu restes quelqu'un qui dit, ah, tu es âgé, qui va venir? Hein? Tu sais, tu es trop contente. Ah, tu sais, tu ne travailles pas, tu vas faire comment pour manger? Alors que l'esprit t'a dit que lance ton business. Tu sais, ici là, c'est la France. Hein? Si tu ne fais pas comme ça, comme tout le monde, tu vas voir les papiers comment? Vous devez être violent. Parce que les gens, les pauvres, veulent venir déposer leur pauvreté sur vous. Les vidéos de pauvres que vous passez les journées à regarder. Moi, je trouve que les gens dansent sans sens là. Je ne regarde pas ça. Hein. Je vois quelqu'un se met danser, tourner, tout comme ça. Ça me donne l'argent. Vous êtes dedans, vous regardez. Et dans la vidéo, il est même mal habillé. Le décor même derrière, tu sens que c'est un décor de pauvres. Quand tu regardes la pauvreté, tu attires la pauvreté. Il y a certains de vos gens que vous suivez. Ils ont 1 million de followers. Tu regardes son direct comme ça, tu vois derrière, le mur n'est même pas cimenté. Oh, pas si. Tu es là, tu regardes quoi? Tu es pauvre parce que les gens... Soyez violent. Tu vois quelqu'un une fois, tu vois que son énergie est bizarre. Je sors manger avec toi. Je vois, hey, je n'ai pas l'argent, ouais, aide-moi. Hey, je ne dîne plus jamais avec toi. Même si on a fait moitié-moitié. Non. Dès que le vin va venir, tu vas dire, ah, ouais, les vins ici sont chers. C'est cher. Nawati. Seulement t'écouter dire que c'est cher, ça me stresse. Tu viens de couper au moins 1 million sur mon argent. Toute tes énergies. Tu là, tu supportes que peut-être il va m'épouser. Comme ton, le, pour toi, c'est ça le prix. On me met la pauvreté dans toi. J'étais dans les rancards avec les gars. J'avais espoir. Même la bague qu'il va acheter pour mettre sur ta main là. Bague de pauvre. Pardon, laissez-moi comme ça. Hé, hey, Jocelyne, j'ai fini avec ça. Oh là là. Non. Parfois, il dit que mes réflexions, c'est les plans même ça. Oui. Hein? Même la bague qu'il va te donner, mamie. Espoir. Tu vois là. Tu as espoir. Faites très attention. Quotidiennement, vous êtes dans une bataille. Vous êtes dans une bataille. Pour croire que je mérite de l'argent. Je ne peux pas avoir un immeuble de 1 milliard au centre-ville. Parce qu'un monsieur pauvre est venu te voir. Ah, tu sais, on ne peut jamais avoir le terrain. Hein. Vraiment. Les immeubles de la ville, là, c'est déjà tout pris. Crois. Crois. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ancien dans quelque chose que tu ne peux pas le dépasser. Moi, je connais, j'ai affaire dans ça. Dès que tu parles de ça, j'ai affaire dans ça. Je connais déjà. Oui, je connais. Hey! Hey! Touche à tout, sauf à mon argent et à mon mental. Touche à tout, sauf à mon argent et à mon mental. Mamie, tu as bien parlé, non? Tu blagues avec lui, il escroque ton argent pour aller t'acheter la bague avec. Est-ce que vous blaguez? Est-ce qu'il blague avec toi? Hey, à grâce, on n'explique pas. Ce sont les pauvres qui expliquent parce qu'ils veulent justifier.
Non, je voulais faire, j'allais faire. Moi, quand elle te voit, tu n'as pas besoin de parler. Je t'observe pendant 24 heures. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? J'aime dealer avec les gens qui sont occupés. J'aime le genre de personnes que c'est entre deux rendez-vous qui me. Il me he's gonna squeeze me into two appointments. That's what I want. Pas déjà que tu m'appelles le matin, tu fais quoi? Ah non, je suis libre, je n'ai rien à faire. Tu veux me draguer? You want to drag me? Ah. Hey, Jocelyne. Hey. Pardon. Blaguez. On va vous bloquer. S'il n'y a personne autour de toi qui t'inspire, inspire-toi toi-même. Inspire-toi toi-même. Va dans les grands endroits de ta ville. Tu passes sur le menu, tu cherches ce qui est le moins cher au départ. Ne pas jamais dans un endroit, tu t'assois sans payer quelque chose. Never. C'est les pauvres. Ça, c'est l'énergie de pauvres. Paye même la clim. Paye l'air qui est là-bas. Comme tu as respiré. Paye l'air que tu as respiré. Honore ça. Toi, la clim des riches va venir sur toi. En sortant de là, tu vas croire que tu es déjà devenu riche aussi. Défendez votre mindset. Défendez ça comme si c'était tes yeux qu'on voulait arracher de ta tête. Effectivement. Voilà, Ben. Tu connais Ben. Tu as les bonnes manières. Tu laisses le pourboire. Tu es sorti avec un homme, tu veux donner le pourboire et refuser. Et ça, c'est tout ce que j'utilise pour tester un homme. Hein. Tu vois, on met les pièces même. On met 350. Il ramasse les pièces, il met dans sa poche. Mon frère, demain là, c'est bon. Tu m'appelles, je n'ai jamais le temps. Je n'ai plus jamais le temps pour toi. Je guette si tu as donné le pourboire. Oui. Est-ce que ça vient automatiquement dans ton esprit? Parce que si tu donnes pour m'influencer ou m'impressionner, je peux voir, je saurai. Oui. Le pouvoir des pauvres, est tout petit. Et les pauvres parlent souvent très mal au serveur. Très mal. Tu t'es trompé de direct. Attends, je t'aide à partir. Très mal. Alors qu'il y a cela 2 semaines avant qu'il te rencontre, lui-même il servait. J'ai été une fois avec un pauvre comme ça, non? Oh, je crois en son potentiel. Chaque fois qu'on allait quelque part, il parlait toujours très mal au serveur. Je dis, mais c'est pas possible ça. On vient même, ce n'est pas ton argent qu'on vient manger. Oui, garçon. Pourquoi ça c'est comme ça? Garçon. Il dit que, ah. Lève la main. Excuse me, excusez-moi. Oui, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une fourchette supplémentaire? Pauvre. Oh. Quand on est pauvre et on n'est pas courtois là, hein, c'est moche. C'est moche. Il insulte le chauffeur. J'ai un pauvre. Oh, j'ai trop. Je sais pas pourquoi il connaît trop les. Quand il voyageait, mon pauvre avait toujours les problèmes avec mon chauffeur. Toujours. Il dit non, ton chauffeur il m'énerve, il m'a mal parlé. J'ai dit non, mon chauffeur, c'est l'homme le plus down to earth que je connaisse. C'est l'homme le plus humble que je connaisse. Si tu as un problème avec lui, tu lui as dit quoi? Tu lui as parlé comment? Non, j'ai seulement dit que. Et comme le chauffeur se comportait, il ne voulait pas. Bon, Jacques, bon, quand il savait, non, que le chocolat qu'elle mangeait, c'était le bon chocolat. Faut qu'elle fasse durer de la nuit, hein. Il y a des choses qui sortent de ma bouche. Il voulait pas gâcher mon chocolat. Ouais, Seigneur, je chasse l'énergie sur la panneau.
Oh my God. N'est-ce pas le voilà? Il se retient. Le jour où je découvre, je viens maintenant et dis au chauffeur que, mais pourquoi tu m'as pas dit depuis? Il dit, bon, madame, vous savez, moi, je ne veux pas me mêler. Je ne veux pas me mêler s'il ne me concerne pas. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas parlé depuis. Il dit, ah. Il dit, pardon, la prochaine fois, il faut me dire. Please. Please. Parce que le chocolat qu'on me donnait, je ne sais pas si le chocolat était comment. Bon. Hein? Olivia, I don't need you, you don't need me. Ok? Je te supprime, Olivia. Tu peux nous expliquer ta transition de coach à Reine Lumière. Bon, I don't need you. Bye. Ça fait au moins un an que je suis Reine Lumière. Si tu veux me demander maintenant, c'est que tu ne me suivais pas. C'est là que j'étais un peu dégoûté par les. Même la ménagère, hein. Il avait toujours le clash avec la ménagère. Je dis, mais attends un peu. Ma ménagère, ça me sert depuis un an avant que tu n'arrives dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Chauffeur, ménagère, quand tu es pour tout le monde. C'est qu'un jour, ma ménagère. Tu sais que quand les gens travaillent pour toi, parfois, ils ne veulent pas. Que le bon Dagobert Flore, qui l'avait. Parfois, ils voient les choses, mais ils ne veulent pas parler. Parce que quand tu voyages, ce sont eux qui voient. Et il y a parfois des égards de comportement que la personne peut avoir. En ta présence, il se comporte comme s'il a les fesses serrées. Quand tu pars, c'est là qu'il se lâche un peu. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, il y a des attitudes. Il y a les attitudes où ils ne disent rien. Je crois que c'est par respect. Ah, supposons un peu, ils viennent te dire. Et que le matin, là, tu as mangé un bon chocolat. Tu peux les renvoyer. Hein? Vous, les filles, qui mangent votre chocolat, là, parlez. Dites la vérité. Voilà. Ta ménagère a gardé le secret sur ton pauvre pour te préserver. Ouais. Et parfois, tu peux voir qu'il insiste beaucoup. Que je n'aime pas ton chauffeur là. Je n'aime pas ton chauffeur là. Parce que quand le chauffeur l'accompagne quelque part, dans la voiture, le chauffeur voit là où il part, non? Oh, il veut crâner avec la voiture. Il ne peut pas aller voir la petite. Je comprends pourquoi mon chauffeur l'énervait. Je viens d'avoir une révélation. Je viens d'avoir une révélation. C'est maintenant qu'elle comprend. Pourquoi il y a tout le clash entre lui et le chauffeur? C'était pour ça. Il ne peut pas aller crâner devant les go. Il ne peut pas même prendre une go dans la voiture. Soit s'il a déjà fait une fois. Il sait que le chauffeur ne m'a pas dit, mais il sait maintenant que le chauffeur connaît ce qu'il fait. C'est par respect. Mais c'est pas évident. Non, on choque le chauffeur, mais il y a des chauffeurs fidèles, franchement. Il y a des serviteurs qui sont fidèles. Il y a des. J'en ai connu, vraiment. Je ne peux pas vous dire que. Je bavarde beaucoup ici, là, mais. Mais c'est pour ça que Dieu m'a donné des employés que. Fidèles. Vraiment. Fidèles. J'ai certains de mes employés que quand tu arrives dans ma vie, si tu ne les aimes pas, c'est que je sais que tu veux mon mal. Bonjour Amel, je serai au Togo en septembre.
Oui. Si tu arrives dans ma vie, tu vois, tu fais un peu bizarre avec mes ménagères, chauffeurs, les gens qui sont très proches, les gens qui te conduisent ou qui te préparent la nourriture ou qui entrent dans ta chambre tout le temps. Puisque tu as passé quand même un temps avec eux, tu as quand même, tu sais que bon, tu as quand même leur confiance. Et ils ont la tienne. Si quelqu'un entre dans ta vie et ne les aime pas, sache que la personne a manigance des choses. Et on parle comme s'ils n'ont pas honte. Kohoha. Kohoha. Chez nous, on dit Kohoha. Il fait ça bien même. Supposons que tu es dans la chambre, tu es au téléphone avec ta tisa. Hein? La ménagère entre. Et c'est que tu es pour tes frères, madame. Je sais qu'il y en a ici là que ça provoque des vieux souvenirs pas très bons. Ils sont nés avant la honte. Ils ont mangé la honte. Ils ont mangé, ils ont digéré. Oui. Ils ont chop ça, ils ont bu l'eau. Mais ils ne comprennent pas que à la longue, ce sont eux qui perdent. Je me suis toujours demandé, souvent quand je vois un pauvre comme ça, il fait ça. Après, quand il sort de ma vie, je me demande que si vous pouvez mettre une caméra pour voir comment tu fais avec la fille là. Parce qu'elle t'a poussé, elle te poursuivait à cause des parfums qu'elle t'achetait. Ah, parce que tu parlais sur le téléphone qu'elle t'achetait. Aïe. C'est le syndicat des pauvres. Syndicat des ex abandonnés. Pauvres ex abandonnés. Tu l'as dragué parce que tu mettais sur tes statuts les photos des voyages que je te payais. C'est pour ça, ouais, je suis dans tel pays. Ouais, je suis en train de faire ça. Après Wanda seulement que tu es au même endroit depuis, tu n'as pas bougé. Tu es au même endroit. Hein? J'aimerais bien voir un peu, mettre une petite caméra sur votre relation. Et tu sais que quand les dos finissent dans les poches d'un Joe, il devient nerveux. Yeah, my God. J'ai les pensées qu'ils ont pas saines ce soir. Oh my God. Ah, Seigneur. Vous allez vous aimer dans la pauvreté. Je peux rire comme ça parce qu'un Joe m'a fait ça. Hein. Oh là là. En coupant le Joe, j'ai tout coupé. Vu que ça avait le goût. Quand il est devenu aigri, j'ai dit ok, c'est bon. La tisane, là, on va voir. On va voir. Tous les soirs, quand il sortait un peu où je suis en train de faire mes vidéos ici, là, tu es en train de l'animer au téléphone là-bas. Hein. On va voir. Ta mauvaise humeur là, elle va lire un peu tes mauvaises humeurs pour confirmer le code. On va voir si vous êtes vous aimez. Imagine, non? Tu vois que quand tu vois tout, voilà, ouais, il fait allô bébé, tu fais quoi? Oui, c'est que la moutoukou est sortie. Elle va rentrer le soir. Elle est partie au magasin, elle a beaucoup à faire. Ou bien la moutoukou a voyagé pour 3 jours. Ouais, c'est ma ménagère, elle installe les choses à table là. Ouais, on va manger bientôt. Ouais. Ouais, ça va. Ouais, tu fais quoi? TFK. Oh, Seigneur. Il parle, tu sens l'écho dans la maison. Ouais, on a aménagé dans une chambre. Une maison de avec 6 douches, ouais, 4 chambres, ouais, 5 salons. Non, l'histoire m'avait fait mal à l'époque. Imagine qui dit que l'écho, non, l'écho, ouais, on vient d'aménager, ouais, je suis dans le salon d'en bas. Attends, je vais monter, parce qu'il y a le réseau dans le salon d'en haut. Seigneur, je savais pas que je vais un jour rire de cette histoire, hein, parce que ça m'avait beaucoup fait mal à l'époque. Ça m'a vraiment fait mal.
Pour Ezekka. Souvent, elle s'est dit que peut-être qu'elle te donnait même souvent un peu de dos là, comme ça, là. Tu coupais l'autre, tu envoyais là-bas. Et tu vois, souvent, quand tu vois les choses, quand tu sens que tu as été trahi par quelqu'un, quand on ne se montre pas, ça fait mal. Ouais. J'ai vécu des trucs que je ne savais pas que je pouvais traverser ça un jour. Donc, je ne savais pas que je suis en train de rire de ça. Ça m'a vu. Et parfois, les gens se disaient, waouh. Ça veut dire que sûrement, ils disaient souvent, ouais, je vais aller dans telle ville, oui, ouais, on va prendre l'avion pour aller à Yaoundé, voilà. Hé, hey, celui qui a la gosse, c'est que, yeah, mon benguiste, Après, quand les dos finissent, je ne sais pas comment l'amour est devenu. J'essaie un peu d'imaginer. Parfois, il reste ce conseil, j'essaie d'imaginer. Ouais, bébé, il va devenir comme un beau-zaïre. Ouais, tu sais, je viendrai au pays dans 3 ans. Chacun creuse sa paille de trou, il entre dedans. Ça veut dire que c'est un passé oublié même. Oui. Je fais beaucoup de travail émotionnel sur mes choses. Oui. Il ramenait les parfums et les chocolats. Oui, ça c'est sûr. Je suis sûre de ça. Quand vous sortez des relations comme ça, parce que quand tu es en train de subir le gourmand, tu ne sais pas comment tu vas sortir de là. Merci la ref, merci. Bonsoir. Donc, quand il fait mes lives, c'est pour parler. Je parle d'autre chose. Aujourd'hui, je ne parle pas des choisis. Et tu dois absolument, volontairement, cracher le venin. Parce que quand tu subis une trahison, il y a une amertume qui reste en toi. Parce que tu as l'impression que tu as été bête, tu as été utilisé, tu ne t'es pas écouté. Généralement, tu t'en veux parce que tu as l'impression que tu ne t'es pas écouté. Parfois, tu te dis que oh, si je savais, si je m'étais écouté, si je m'étais fait confiance. So, it's very painful. C'est douloureux. Parce que tu te ronges toi-même. Et détester la personne ne servira à rien. Vous savez, la limite entre la haine et l'amour, je dirais que l'amour et la haine, c'est même la même chose. Tu ne saurais même pas, c'est comme une pièce à deux faces. Tu ne peux pas les séparer l'un de l'autre. Il y a des femmes qui ont aimé. Et quand elles découvrent que tu as fait du mal, elles se transforment devant toi. Elles deviennent comme Sangoku et puis Vegeta, je ne sais pas. Tu la vois à l'instant, ses cheveux sont noirs. L'instant d'après, ses cheveux sont jaunes. Et c'est vrai que je parle comme ça, mais quand les cheveux deviennent jaunes, là, elle peut tout gâter. Tout. Elle t'avait introduit quelque part, on t'a donné le boulot. Je connais une femme comme ça. Elle est en France avec un Decepticon qui l'a prise et puis il a même fait. Dans sa tête, il a fait croire qu'elle était même bipolaire. Il lui a fait croire qu'elle était bipolaire. Qu'elle a découvert les trahisons, le nombre de femmes qu'il avait enceintées dehors. Elle faisait des 9 jours de jeûne pour lui. Oh, les 9 veines à Marie. Oh. Je vous dis que laissez les gars là. Celui qui veut prier pour lui, prie pour lui-même. Elle a appelé le boulot là où il travaille. Elle a dénoncé. Parce que quand ils étaient ensemble, il avait dit, voilà, je fais comme ça, comme ça. Elle a appelé, elle fait appel anonyme. Elle a dénoncé que voilà, il fait ça, ça. Donc, la haine dans son cœur, c'était un niveau où la douleur, c'est la douleur. Bonne nuit, ma belle. C'est après peut-être 10 jours qu'elle s'est dit, ah, qu'est-ce que j'ai même fait comme ça? Mais elle avait déjà envoyé au patron. Donc, c'est quelque chose de très délicat. Parce qu'une personne blessée, parfois, ne répond plus de ses actes.
Tu dois absolument recracher ce venin. Matin, midi, soir. Parce qu'au départ, quand tu viens de te tromper, tu veux absolument parler de lui. Tu veux parler de ce qu'il t'a fait. Tu veux parler de ce qu'il t'a fait. Et comme tu tiens tellement à parler de ce qu'il t'a fait, toute personne que tu vois, tu veux parler de lui. Oui, vous savez qui m'a fait ça. Et vous savez. Donc la première chose d'abord, c'est de te reprogrammer. Oui, oui. Celle qui dit qu'elle a voulu là sauter la mort de son ex. Oui, il y a des personnes comme ça. Vous savez, les relations, ce sont les portails spirituels trop dangereux. Parce que dès que vous avez commencé à coucher ensemble, la personne a accès à ton âme. C'est là que ces démons se pointent. Et te touchent. Quand il te fait mal, ça brise l'intérieur de toi. Tu es sous attaque spirituelle, tu ne sais même pas. Tu t'es réveillé, tu croyais que tu as dormi longtemps. Alors que tu as... Monsieur HK, pardon, il faut me laisser, laisse-moi. Depuis que tu commentes, il fait que je ne dis rien. Apparemment, c'est toi qui donnes l'argent aux femmes. Donc... Tu vois, tu es couché minuit, tu penses à lui. 3 heures, tu penses. Et ça fait 3 mois, 4 mois que vous êtes séparés. 6 mois. Va sur YouTube, tu écris, couper les liens d'âme, tu vas voir. Va sur YouTube, tu vas voir. Tu fais même 2 des rites que tu vas voir là-bas. Tu fais 2. Tu fais ça même 3 fois par semaine. Pourquoi tu as coupé tes dreadlocks? C'est toi qui avais d'avoir mis ça sur ma tête. C'est mon corps. Tu penses que tu as le droit de me demander pourquoi j'ai fait quelque chose sur mon corps? Certaines personnes viennent faire que vous doutez de vous. Je rappelle encore bien, ce sont des attaques spirituelles. C'est pas la blague. Ce sont des attaques spirituelles. Donc quand ça vient, tu as l'impression que tu deviens folle. La personne te regarde dans les yeux et te ment. La personne te regarde. Et comme vous avez déjà été intime et qui t'a déjà flatté avec des belles paroles plusieurs fois, donc il connaît comment te toucher pour te soulever. Et comme quand il te soulève tellement, il a eu accès à l'intérieur de toi. De là, il peut facilement appuyer sur un bouton et puis tu tombes. Oui. Quand une femme a fait une rupture amoureuse avec quelqu'un, si c'est que ce n'est pas elle qui a quitté l'homme, si c'est l'homme qui lui a donné goumen là, si c'est ta soeur, pardon, appelle-la chaque soir, je t'assure. Je ne parle pas de quelqu'un de ta famille, je parle de l'homme et de la femme qui sont ensemble. Donc, laissez-moi, je ne changerai pas mon dialogue. Voilà. Mon monologue même, je parle seul. Appelle ta soeur à moi pendant une semaine chaque soir. Tu dis, ça va, tu vas bien. Maintenant, ce que j'ai aussi compris, c'est que parfois, ces ruptures-là, c'est parce que cette relation-là n'était pas bien pour toi. L'esprit t'avait un peu montré. Mais tu as dit si. Parce que tu avais ton plan. Tu avais déjà montré à tout le monde. Si le sel ne marche pas, tu ne fais plus. Arrête de faire le sel. Ok? Merci. Donc, tu avais déjà montré à tout le monde. I'm gonna be married. L'esprit te montre que la personne, si elle n'est pas bien, tu durcis. On te dit, quitte-le. Tu fais comme ça là. Je le quitte là. On dit, quitte-le. Souvent, tu restes un soir comme ça. Tu dis, non, we can work it out. We can work it out. On peut arranger les choses. Peut-être que c'est moi qui suis trop dure comme femme.
Je lui demande de trouver un bon boulot ou bien de s'améliorer. Je suis trop dure. Il faut que je lui laisse du temps. Mais bébé, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, chérie. Il faut que tu avances, non, ma chérie? Peut-être que je suis trop dure. L'esprit te dit, quitte-le. Tu es dedans que non. Oui, encore. Encore, bébé. Quand le ndolo te tient, mon frère. Hey! Maintenant, fais-moi aimer. Tu vois, quand tu veux enlever les selles sur l'enfant qui a chié jusqu'à. Tu fais ce comme ça là. Comme ça là. C'est le genre là que fais-moi aimer. Ils font ça. À distance. Tu prends le soir. Oui, bébé. Oui. Il dit qu'on t'avait tout montré, éclairé même. Tu t'avais moi. Hein? Pardon, faut pas parler pour moi. Hein. On t'avait tout montré. Et tes guides sont tellement puissants que bon bah faut me laisser, hein. Je fonctionne pas avec les flatteries. Que longue vie à toi. Tu viens d'abord me dire que le sel ne marche pas, maintenant tu viens me dire que longue vie. Laisse-moi. Takana, où tu es? Tu n'es pas camerounais, faut me laisser. C'est ce que j'ai dit en patois là-bas, j'ai dit laisse-moi tranquille. Tu dois comprendre que pour beaucoup d'entre vous, le tout, c'est que vous êtes venus. Même s'il faut que vos guides descendent sous forme physique pour vous séparer de certaines personnes, ils vont descendre. Merci pour les glaces, oh, merci. Ice cream so good. Thanks for the roses. Thank you. Et il y a le genre de prière fatale que je vous dis souvent de prier. Tu prends le sel. Yes. Tu connais Miss Eva. Tu connais. Est-ce que c'est so good? Yes. Ah, yeah. Donc, quand tu. Tu durcis. Ils envoient quelqu'un. Les gens rêvent de toi à gauche, à droite. Tu durcis. Tu durcis. Il y aura un crash qui sera inévitable. Un crash. Donc, tu prends ton sel. Tu verses autour de ton lit. Que me voici, Gayon, me voici. Je veux préserver cette relation. Et ça, c'est mon plan. Oh. Si cette relation, ce n'est pas censé être, parlez-moi. Fais ça pendant 3 jours. Généralement, le premier jour, si tu as fait avec la foi, ils vont venir te parler. Et tu ajoutes que donnez-moi la force pour me détacher. Donnez-moi la force pour me détacher. Comme tu as parlé là, tu vas voir. Six mois plus tard, tu vas regarder comme ça, tu vas dire que yeah. J'aimais même quoi comme ça? J'aimais quoi? Mais attends un peu. I was out of my mind. J'aimais. Yay! Yay! Hey! Que je
j'étais bloqué, je t'avais bloqué sur Facebook, que j'étais débloqué. Je ne connais pas comment on débloque les gens. Je connais bloqué, je ne connais pas débloqué. Je vous dis ça chaque jour ici là. Et quand vous bavardez n'importe comment là, je connais bloqué, je ne connais pas débloqué. Donc il faut m'écrire en privé. Tu me donnes le nom. Je vais donner ça à mon community manager. Il va voir s'il peut te débloquer. Moi, je ne connais pas moi. Et je connais cette sensation-là. Tu es dans une relation, tu sens que l'énergie de la personne te bloque. Et tu sens qu'il ne peut pas changer. Il ne peut pas accepter que tu montes. Je vous blague, je vous mens pas. Vous savez en tout cas, je n'ai même pas besoin de vous dire. Tu vois quelqu'un qui ne veut pas. C'est comme s'il a la porte. Il ne veut pas entrer. Il ne veut pas que tu passes. Du coup, il te bloque. Tu dis, quitte, je passe. Il est là à la porte. Et tu as l'impression que ça ralentit tous tes projets. C'est généralement entre 3h et 6h qu'on te parle. Tu sais que je dois quitter la relation aussi. Les périodes où vous ne faites pas l'amour, tu te sens bien. Quand il te touche, le soir là, tu sens comment toute ton énergie part. Les soirs où tu restes souvent aux alas, tu l'as déjà quitté depuis 4-5 mois là, jusqu'à tu as la nostalgie du chocolat, il faut arrêter. Ne repars pas dans l'Égypte. Parfois, l'énergie que Dieu a pris pour te libérer d'une prison. Jacques, j'ai délivré une femme l'autre jour. Ça va être 2 semaines. L'esprit de son père l'a bloqué. Il dit. Bon, l'esprit là ne connaissait pas encore le mot pauvre, ni vaurien. Donc, quand il parlait, tu vois, parfois quand je travaille sur certaines femmes là, certaines personnes. L'esprit qui bloque la personne parle. Donc, il parle, ouais. Lui là, son mari là, c'est un vaurien. Hein? Oui. Quand il est dans sa vie, c'est bon. Ça ne nous dérange pas. Parce qu'on sait qu'il ne va pas l'amener quelque part. Il dit, waouh. Elle était censée épouser un homme riche. Elle était censée. Il dit, waouh. Donc, parfois, on vous bloque dans les relations avec les pauvres plus plus. Pauvres pro max. Te fait les problèmes matin, midi, soir. C'est toi qui dépenses sur tout à la maison. Une est sortie comme ça de sa forteresse qu'on avait mis avec le pauvre. Le pauvre là lui-même l'a bloqué, il travaillait sur elle. Il avait dit que tant qu'il est avec elle, elle ne va pas évoluer. Elle frôle la dépression nerveuse. Elle m'appelle, lui dit que mamie, tu sais que tu dois partir là depuis un an et demi. Elle était à la maison avec lui. Il ne dormait plus dans la même chambre. C'est-à-dire qu'il payait la facture d'électricité. Il dormait avec la clim. De l'heure, il touche la maison jusqu'à ce que le lendemain, il sort. Il met la clim à fond. Il vient, il ne rationne pas, il va dans la marmite, il mange. Donc il savait qu'elle ne partait, je n'allais jamais partir parce qu'il avait attaché. Un jour, elle appelle, elle me dit, maman, j'ai appelé une amie, je pars. Que je suis le cas qui part, le cas qui part. Vous ne savez pas, certaines d'entre vous, comment on vous a bloqué dans les relations. Il dit quand je veux marier. Je veux marier. L'esprit lui-même te dit que sors de là d'abord.
You know, something doesn't feel right. Quand tu es là-dedans, quelque chose ne va pas. Tu sens quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui... Je vous libère. Je vous libère. Je vous libère. Je vous libère. Tu le quittes 6 mois plus tard, tu achètes ta maison. Nouveau boulot. Nouvel appart. Tu lances ton business de Airbnb. Un soir, tu restes comme cela. Peut-être que je suis mauvaise femme. Je me suis mariée, je n'ai pas duré. Vous m'appelez, je te gifle un peu. Votre temps fait ton nom. Il te méritait. Il te méritait. Quand on te met, on le met. Partout où tu passes, on te disait. Essuie-moi les larmes là. Essuie. Construis ton empire. Focalise tes idées. C'est le temps d'aller explorer les nouvelles idées que l'esprit te donnait depuis. C'est le temps. J'ai une fois, ça, je me suis séparée de quelqu'un. Les semaines qui ont suivi, la belle vie que je me suis tapée. Mama et... Il sent que moi, il guérissait. Il sent que moi, il guérissait. Inspiration divine. Tu sais, le Seigneur te dit, tu auras ça. Bientôt, tu auras la voiture ici. Tu auras ça. Tu vas le faire là-bas. Il dit que, yeah. Depuis, tu voulais faire même le visa pour aller dans tel endroit, c'était bloqué. Tu le quittes, pap, on te donne le visa. Pap, 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 ra, ta, ta, ta. Tu dis, yay, c'est le popcorn. La différence, c'est que tu peux explorer. Parce que l'énergie, c'est s'étendre toujours. L'esprit veut s'étendre. Acheter plus de maisons. Voyager dans plus de pays. Rencontrer plus de personnes. Établir plus de business. Plus, 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 plus. Ice cream, so good. Thank you, fantastic. Thanks for the ice cream. Merci pour la glace. Il laisse la personne quelque part. 2 ans plus tard, vous vous voyez. Tu passes, tu le vois dans un petit magasin là-bas. Il est en train de servir les gens. Tu gardes ta Prado. 2026.
Tu dis, hé! Hé! Parce que Dieu t'a montré seulement pour que tu voyes. Ne lui fais même pas qu'il sache qu'il t'a vu. Que tu l'as vu, pardon. Passe, tu pars. Dieu voulait seulement que tu voyes. Pour comprendre que tout ce que la personne a essayé de te voler, de te faire, c'est passé comme l'eau sur les plumes du canard. Pas touche, ni chaud, ni froid. Ni chaud, ni froid. Marie, ne me demande rien ici. Je n'ai rien à te dire. Pour le rituel de ceci, je n'ai rien à te dire. Voilà. Reste, tu as un projet, tac, tu commences le projet dans ta tête. Mardi, jeudi, c'est déjà fait. Tu veux créer une entreprise. Tu pars au centre de création d'entreprise. 8 jours plus tard, c'est créé. Tout, donc, tes choses marchent. Quand tu étais avec lui, tu disais, je veux faire un magasin là-bas. Hein, qui va rester là-bas? Hein, c'est dur. C'est 2 mois après votre séparation. Tu vas inaugurer ton magasin dans une semaine. J'ai souvent peur de Dieu. Parce que Dieu là, this God. Chaque fois quand tu étais dans cette relation-là, Dieu voulait mettre les choses dans ton cœur pour que tu parles et ça se réalise. Dès que tu essaies un peu de dire comme ça, là, il t'appelle, bac, ça ne va pas marcher. Bac, ça ne va pas marcher. Hein? Qui va acheter? Qui va surveiller? Tu vas prendre l'argent de ça où? Non, Dieu me montre qu'il faut que je cherche un local ici, là, dans la ville de Paris. Ah, tu vas trouver où? C'est dur, hein? Ça coûte 4 000 euros. Et voilà, tu pars, tu trouves le local à 1 200 euros. À côté de la gare. Maman n'est pas dormi. Ah, vous savez que je n'aime plus faire ce que je n'aime pas faire, non? Moi, j'ai envie de dormir. Non, pas moi dormir. Je suis au milieu du direct. Eh. Moi, le sommeil vient de me prendre. Pas moi dormir, pardon. Laissez-moi. N'est pas moi dormir. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Tu vas voir ce que tu as pu faire en 6 mois. Tu n'en croiras pas. Et tu es seul, hein? Tout va là chez toi, tu es seul le soir. Tu ne stresses pas, tu n'as pas appelé quelqu'un pour dire tu vas faire 3 heures au téléphone. Tu es limpide, positive comme jamais. L'esprit te réveille à 4 heures, tu t'assois. Il te montre ton futur. Parce que l'esprit vous montrera ce que vous êtes censé faire ensemble avec l'esprit. J'amènerai les gens en toi qui viendront. Ouvre le magasin dans tel endroit, je vais amener les clients. Fais comme ça, fais comme ça. Dans la journée, quelqu'un vient et te donne 2 millions. Oui, voilà, je vais investir sur toi. Prends, vas-y, il n'y a pas de problème. Tu prends ton temps pour me rembourser. Tu paies le loyer avec les 2 millions là. Tu mets tes produits en ligne sur TikTok ou bien je ne sais pas. Quelqu'un te contacte. Oui, je veux une commande là pour moi et mes soeurs. 1 million, pam. Voilà l'argent pour acheter, pour commencer à aménager le magasin. En l'espace de 3 semaines, tu as tout aménagé. L'esprit de Dieu se connaît avec les preuves. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et le temps est arrivé pour vous. Suivez ce que votre intuition vous dit de faire. Je vais dire ça 3 fois. Suivez ce que votre intuition vous dit de faire. Suivez ce que votre intuition vous dit de faire. Ne blaguez pas. Vous serez la première femme célèbre de votre famille.